Nous sommes aujourd'hui à Viale du Tarn pour inaugurer 7 pylônes d'accès à l'internet mobile 4G qui va permettre aux habitants des communes concernées d'accéder avec des vitesses de plus de 50 mégabits par seconde à l'internet et pouvoir ainsi travailler, converser avec leurs proches ou faire l'ensemble de leurs démarches administratives. C'est un signe important et tangible de l'avancée du New Deal dans ce département qui va permettre d'ici la fin de l'année 2022 à l'ensemble des sites actuellement en 3G de passer à la 4G. Bienvenue à la 4G. Je suis très heureux de voir combien la Fédération française des télécommunications, vous travaillez avec l'État évidemment, mais aussi avec le département parce qu'on a une connaissance du terrain que vous n'avez pas forcément et c'est ensemble qu'on avancera. La 4G, c'est un atout pour nos territoires, pour le développement, pour le service à la population et aussi pour l'attractivité de nos territoires. Depuis les étudiants jusqu'aux actifs, même les retraités, on voit tout le monde se connecter avec son portable. Donc je crois que la 4G, c'est vraiment l'outil qu'il fallait pour améliorer le service de toute la population. L'arrivée de la 4G, bien entendu, c'est un plus. Dans certaines familles, les adolescents refusaient les lieux de vacances que proposaient les parents parce qu'ils s'assuraient qu'il y avait des possibilités de réception qui leur permettraient de continuer à utiliser leur smartphone. Les enfants sont habitués aussi à avoir les téléphones. C'est quotidien, elles regardent des séries, des fois sur la 4G aussi, en profitant justement de pouvoir être à l'air. Pour répondre à toutes les attentes, maintenant les gens veulent tout, et tout de suite, assez rapidement, la clientèle, les habitudes changent. Et c'est vrai que si on n'a pas ce genre d'outils, on devient vite pénalisé, nous, dans nos campagnes. Nous sommes heureux que la 4G soit arrivée enfin sur la commune. Nous serons dans les prochaines semaines et prochains mois dans d'autres territoires pour mesurer l'avancée du New Deal et nous espérons revenir prochainement en Aveyron pour y mesurer l'avancée du déploiement des réseaux par les opérateurs.